elles ont été très sensibles et elles ont trouvé que c'était nécessaire que on pense, qu'elles pensent à nos sœurs qui sont en larmes, au pays aussi qui est en larmes parce que c'est tout le monde en fait. Donc, elles ont voulu faire un geste de solidarité pour accompagner nos braves dames en détresse. Nous avons quatre dames qui sont bénéficiaires et nous avons des ustensiles de cuisine pour une qui veut faire de la restauration et une autre qui fait un salon de coiffure, une qui est pâtissière et puis une quatrième, bon, fait aussi la cuisine. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est en fonction de leur demande que nous avons essayé de leur offrir le matériel. Oui, bon, la séance de formation, ça s'est passé avec les dames, mais depuis le Canada. Voilà. C'est surtout pour vraiment leur guérison intérieure, parce que quand on reçoit un choc de ce type, c'est pas facile. Donc vraiment, elles ont été soutenues, coachées, voilà, depuis le Canada, pour que vraiment elles puissent retrouver leur confiance en elles. Voilà, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, parce que c'est pas facile. Nous sommes vraiment émus et reconnaissants envers l'association Black Diamond qui réside au Canada. Ça nous montre que finalement notre problème est international et que même de loin, les gens sont sensibles à la cause de celle qui a perdu son mari en défendant le territoire national. Nous ne pouvons que leur être reconnaissants.